Papa, je tiens à garder mon sang-froid. Mais je suis obligé de vous dire que vous allez trop loin. Mais regardez-vous! Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'il suffit de baiser la main des dames dans les salons, de se changer pour dîner et de se laver les doigts à poil de poisson? Ça se paie, ce que nous sommes. Et ça se paie chèrement. Et nous l'avons toujours payé chèrement jusqu'à présent. Et quand on ne veut plus payer, quand on lésine sur le prix, quand on commence à jouer sur les deux tableaux, un peu aristocrate, un peu arriviste, un peu aristocrate, un peu danseur de cordes ou marchand de tapis, j'ai le regret de vous dire que très vite, on n'est plus qu'arriviste ou marchand de tapis. C'est pour moi que vous dites ça? Pour tout le monde. Peut-être bien, après tout, qu'il n'y a plus d'aristocrate. Peut-être bien que l'argent nous a tous pourris à notre tour. Et si nous n'en avons pas, c'est encore pire. Il nous brûle le cœur. Peut-être bien que tous ceux qui portent un nom sont comme vous des façades, des trompe-l'œil. Peut-être bien que les aristocrates sont ailleurs, dans le peuple. Inconnus, humbles, mais ardents, fiers, généreux, prêts à tout donner, tout, contre rien. Il y en a encore comme ça, je le sais. Il y en aura toujours. Vous, c'est fini. Des survivants. Des ombres. La guillotine, c'était une solution propre. Encore un mot, le dernier. Puisque bonheur et opulence sont devenus votre devise, je vous souhaite de vivre heureux, riche et gavé. Mais je vous prie de me laisser vivre comme je l'entends. Non, plus rien à nous dire.